Bonjour, bonjour à tous, les amis, bonjour et bienvenue, c'est LPAG et Coin Z3E, bien sûr. Évidemment, toujours. Qui est en vacances, donc. Tu es en vacances, ah, je suis détendu là. Voilà, Oh, détendu, t'imaginais pas. il pourrait être bien concentré sur le jeu. Ah, pas que je ne suis pas concentré d'habitude, hein, Non, mais. mais encore plus. Encore Oh, plus. encore plus. Donc, la dernière fois, on était arrivé dans le pays des contes, qui n'est pas vraiment le pays des contes. Le pays réel des contes. D'ailleurs, ce jeu me fait penser à une série, je sais pas si vous la connaissez, Once Upon a Time. C'est des personnages de contes qui sont aussi dans la vraie vie, justement. Je crois que ma soeur en a parlé. Ouais. Je peux... Moi, j'allais voir. Ça me fait penser à ça, en Pas le temps, pas le temps. On va dire pas le temps. fait. Voilà, donc on avait trouvé Cendrillon qui nous avait fait accuser. Ouais, enfin, c'est ce qu'on suppose. C'est ce qu'on suppose, ouais. Parce que voilà, elle arrive, pof, les flics arrivent juste derrière, et elle est en mode, pourquoi t'as fait ça? Puis après, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à Oui. l'affiche de la voleuse. Ah oui. Ça vole comme par hasard une pantoufle. Ouais. Ah, Bon, c'est ça le les peintre. coïncidences sont nombreuses. Ouais. On l'avait vu aussi, je crois. Oui, voilà. Ouais. Et il y avait sa belle-mère aussi, là. Peut-être elle, non? Sa belle-mère qui est sa belle-fille. Ouais, c'est clair. Voilà. Bon, bref. Donc il faut qu'on aille Voilà. sur le campus. Parce qu'apparemment, celui qui nous a dénoncé était là-bas, donc il faut qu'on aille enquêter. Allons-y. Avec notre peigne et notre balai. C'est ça. Et notre bout de journal. Il y a des oui, y a un truc à faire ici. Ça, il fallait quoi? Ah, faut enlever la peinture, là. Faut nettoyer, mais du coup, on n'a pas grand-chose pour nettoyer. Ça Pas fallait encore. une harpe. Ouais. Là, il faut les clés. Et il y avait Toute quoi chose que là en nous n'avons fait? pas Ouais. encore. Alors ici il y avait. Après, si ton peigne est tout cassé, tu peux l'utiliser pour enlever les clous, hein, mais. Ah oui. Oh, d'accord, ok. C'est pratique. Ah, pierre de lune. Parfait. Ça c'est quoi? Ah oui, il y avait ça aussi. Et moi, j'oublie tout d'une semaine à l'autre, hein, même si je suis fatigué. Faut que je sois fatigué ou pas, je vois rien. Mon Ok. cerveau, il fait un reset mental tout le temps. Alors c'était, il y avait Des fois, juste j'ai mes collègues qui me disent, mais tu rappelles pas tel jeu? Enfin, tu rappelles pas vendredi? Je suis moi genre, non. Ah. Je suis moi genre, parce que mon cerveau, ça ne marque pas, ça ne marque pas. Hein. Ouais, c'est clair. Et après, le week-end, il efface tout, donc je suis insupportable pour ça. C'est horrible à vivre. Mais bon, bref. Ça, il fallait couper. Et pourquoi j'ai un bouchon? Je ne sais pas. Parce que lui, il fallait un truc pour l'occuper, mais Ah, on n'a je peux rien. balayer peut-être. Ouais. Tu crois? Ouais. Ah ouais. En effet. Ah, c'est du dissolvant pour enlever la peinture d'or. Voilà. Ça tombe bien. Et un cutter pour les cartons. Ah. Cassé. Cassé. Évidemment, il veut pas être en bon état. Je veux dire. Alors c'est marrant parce que quand il y a un truc où il faut faire faut ajouter des objets pour qu'il marche, si tu cliques dessus, ça te montre ce qu'il faut. Donc je Ah, trouve c'est bien ça. ça c'est pas mal. Bon, c'est ce que j'allais dire, il manquait le bout, ça je le savais. Mais... Ouais. On sait comment sont les cutters. Mais, franchement, Des bon fois point pour le jeu. ouais, des fois quand c'est pas évident, ça aide bien. Alors il y a ça. Non, c'est pas mal en vrai. Alors. Ça. Pchit Oh là, j'ai l'air puissant. pchit pchit. Ouh là là. Ah oui, j'ai pas de chiffon, fuck. Bon, j'espère que ça Avec tient. le journal, il y avait des gens qui lèvent la vitre avec du journal, hein, donc. Oui, c'est clair. Mais bon, je suppose que ça marchera pas. Alors là. Il y a encore un truc là? Ah oui, ah, c'est ça le bouchon pour. Ouvrir le tiroir. Punk, voilà. Ah la C'est une baballe. technique artisanale. Baballe du chien. Et je dis. Oh putain. Très Je bien. pense que c'est un développeur. Oui, je pense aussi. on va jouer avec le chien. Super. Allez, et on va. C'est innocenté pour meurtre, enfin pour meurtre, pour vol. Il s'appelle comment? Bon. Bon. Boss, ah boss. Bilis, non? Non, je crois que c'est boss. Ouais. Allez, Avec la boss. pixelisation, j'arrive pas à lire. À chercher.
Oh, l'animation a fait peur par contre. C'est clair. Alors, on a pas oh, les... attends, il est assis sur ça, putain, mais c'est un petit chien. Ça lui défonce le cul. Est-ce qu'on aurait dû le voir dépasser, enfin, je veux dire. Oui, c'est clair. Il est tout petit. Les animations sont pas au niveau de, du jeu d'avant. Mais par contre, les niveaux couleurs ouais, ils sont toujours bien. Hein. Oui. Bah, ça, c'est une. Enfin, l'éclairage avec la lumière de la vitre, tout, genre, tout mmh. est. Ça, c'est une caractéristique justement de Domini Games, de ceux qui ont fait le jeu là. C'est toujours des couleurs très marquées comme ça. Il doit avoir des très très bons. Des gens qui ont des bons yeux niveau photo. Mmh. Niveau animation, ils n'ont peut-être pas recruté les bonnes personnes. Quoi, c'est ça, ouais. Alors, on a quoi? Coupe-ongle, nice. Ok. Un os. C'est vrai que c'est exactement ce qu'il nous fallait, lol. Ça coupe un os? Non, mais t'as un cutter. Donc je pense qu'il va t'attendre de réparer le cutter. Vu que t'en as un. Dans d'autres circonstances, je m'aurais dit oui. Mais bon. Là. Y a toujours pas de harpe. Ouais. Et là, de toute façon, ça coupe ça, peut-être. Non, ça. Ah! Oh yes! C'est pas juste un petit coupon là. Oui, c'est. Parce que le corps de guitare c'est épais quand même. Ah oui, il y a un deuxième interrupteur. Nice. Et. Ah, c'est la vis du. Ah oui. Ah, tu mets juste une vis là-dessus? Ah non, il faut l'autre. Non, la vis tout droit, si on regarde. Ah ouais, un truc. Elle est vite dans l'air. Oui. C'est ça. Ouais. Plus de truc là. Ah si. En vrai, il suit avec le journal. Hein. Ah oui. Possible. Moi, ouais, je pensais que c'était un chiffon. Comme bien, vu qu'il y a des gens qui lavent des vitres avec des journaux, je suis quasiment sûr que. Mmh. Alors. Ah. Alors là, on peut pas choisir les difficultés. Donc toi... Alors, ça, oh, c'est... dommage. Alors là, voilà. Ça, c'est le premier mini-jeu, non, je crois. Ah là, on avait eu celui du téléphone, là, mais c'était simple. Ouais. Celui-là, c'est le premier qui est vraiment. Amener les pierres précieuses dans les emplacements correspondants, utiliser les flèches pour déplacer la pierre du centre, les pierres qui se touchent restent collées, hein, vous allez voir. Oh, donc il faut oh, c'est, ouais, c'est assez chaud, il faut amener les petits bleus sur le bleu, les machins sur là, et en fait tu déplaces ça et dès que tu te colles à quelque chose ça reste collé après. Et se décolle à un moment donné ou... Il faut toutes les choper puis ensuite te placer correctement là-dessus en fait. Mmh. Et avec les... Okay. En fait, il faut mettre d'abord les bleus et coller aux bleus les vertes. C'est l'horreur. Ah, quoique, non. Parce que là, tu colles. Non. Non. Mais là, voilà. Enfin bref, je crois que tu vas coller en haut. Ouais. Il y a un chemin à faire. Il faut que ça marche direct. Bah, en vrai, hein, ton début était bien. Je pense. Parce que ceux-là, il faut, aller, faut y aller tout de suite en fait à ceux-là parce qu'ils sont collés en bas. Bah, tu sais que. Déjà, tu sais que la pierre du bas bleu, là, elle sera pour le bas. Parce que ouais. Tu n'auras pas le choix d'aller chercher autrement. Mais il faut pas que tu ailles chercher maintenant. Quoi qu'on peut être sur un côté parce en fait. En fait, si, oui, il peut être, tu peux faire comme ça. Ça t'a déjà le côté là. Ah oui, d'accord. Ok. Bah si, il y aurait pu y avoir plusieurs solutions du coup. Ouais, je pense. Parce, que parce là, qu'au début, c'est pas cette bleue là que t'avais mis sur le côté gauche. Et pourtant, c'était, ça marchait quand même, je crois. Mmh. Donc là, en donc, fait, il faut trouver un chemin à faire pour tout récupérer. Quoi que là, tu, en remontant, ça va être drôle. Parce que là, ça va me coller le vert là. Ouais, t'as pas envie. Ouais, non, parce que du coup, tu mets la bleue. Je peux faire comme, ouais, ça. Comme ça. Pas le choix. Hein. Par contre, là. Bah, si après, tu te colles en bas. Enfin, tu descends au maximum. Et comme ça, tu te colles à la verte de gauche. En celle-là. Te déplaçant. Ah oui, celle-là. Ouais. Okay. Comme ça, la gauche, elle sera en haut. Mm-hmm. Elle sera en haut de ton truc au milieu. Par contre, là... Et du coup, elle gêne plus, entre guillemets. Même si, bon, là, ça va être compliqué pour les autres. Ouais. Ouais, non, c'est impossible, parce que tu n'arriveras pas à récupérer la verte de tout en haut. Non, t'étais bien parti au début. Je pense vraiment que ces deux-là, il faut y aller tout de suite. Et peut-être celle-là, au passage. Honnêtement, au début, t'étais bien parti. Hein. Parce que là, je peux faire choper celle-là, ensuite la verte là, ensuite les deux autres là. Ça me fait un truc super... Ouais, après, t'es un peu handicapé pour... Ouais, ça le fait. Non, on va sur le fait là, tu montes. Si je monte, ouais. Ouais, c'est bon. Tu l'as, je pense. Là, si là, je tu remontes pas. Ouais, tu peux remonter. Hein. Comme ça, ouais. C'est bon. Ah oui, ok. En vrai, je pense qu'il y a plusieurs solutions parce que, comment t'étais parti tout à l'heure, ça avait l'air d'être possible aussi. Voilà, vous voyez. Innovant quand même. Non, franchement, pas mal. Ah, l'harpe. On avait jamais vu sur le mini-jeu. Non, c'est vrai.
Bon, il faut m'expliquer comment ça fait en sorte que le mur explose derrière. Je sais pas. Ça, on y arrivera plus tard. C'est de la magie, Harry. On n'a pas eu de succès, là. Fais chier. Ah non, parce qu'on a regardé la solution, lol. C'est ça, non. Une harpe verte qui va très bien avec, le avec la statue. Là. Avec la statue grise, ouais. Col et troisième bouton, nice. Alors. Enfin, les boutons. Putain, on n'aura pas trop attendu pour les avoir. Ouais, c'est clair. Donc là. Hein. D'accord, ah. Et puis lui, ils en foutent partout. C'est clair. Et là, clé. Quoi? Allen? Ça s'appelle comme ça, ouais. Je crois. Clé Lily Allen. Élément de cutter, nice. Voilà. Parfait. Donc là, on a tout fait. Hein. Ouais. Nickel. On ouvre la boîte. Une paire de chaussures. Ah. Merde. Je crois pas, parce que des fois, il y a des chaussures, mais on peut pas les prendre. Ah, une scène. Mieux que... Et t'es où, la chaussure? Non, mais j'ai dit ça parce que c'est ce que je supposais peut-être dans la boîte. Ah oui, d'accord. Je croyais que t'avais vu une paire de chaussures. Non, non, du tout. Ah, là, on a tout récupéré. Scène. Excuse-moi de t'avoir demandé erreur. C'est pas grave. Scène. Je vais m'enlever un peu. Alors, deux pommes. Facile, elles sont toutes les deux croquées. Ouais. Quand des références, peut-être un lol. Poison. Ah, le poison avec les pommes, forcément. Ouais. Ah oui, le poison. Poison ouais. Droite. Je fais dire gauche. Hein. Ah, il y a une. Il y a une chaussure, mais il y en a deux même. Ah, il y a une autre côté aussi. Pantoufle de verre. T'as un couteau aussi, enfin une épée en haut à gauche. Et t'as un couteau en bas à gauche aussi. Je sais pas s'il compte comme une lame. Ah oui. Vu qu'il t'en fout deux. Ah, je peux faire ça aussi. Ah. Ah, ça libère la vue. Ouais. Donc là, il n'y a plus rien là-dedans, de toute façon. Non. Sûr ? Ah, il y a la griffe. Ah, c'est des griffes, ça, putain. Je vais dire là-dedans. Là-dedans. Ça ressort un peu, quand même. Là, il y a la bouteille. Ouais. Il te faut quoi ? Du fil ? Fois deux ? Ça, c'est du fil, ouais. Puis ça, c'est une dent. Ah, c'est ça. La dent avec le café. Et là, il faut du fil. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et à côté du café, encore une fois, je sais pas si c'est des biscuits ou du fil, des biscuits en vrai. C'est ouais, c'est ou des cigares. Ça, ouais, des gros cigares. Avec le café, ça fait du bien. Menotte. Après, sinon, t'as les genres de cheveux en bas. Ça. Les cheveux bleus. Non. Pas la plus en plus. Ah non, là, peut-être. Ah oui. Ouais. Ah ouais. Étrange. Ah, les clés. C'est vite, hein. On peut s'en aller, on a tout fait ici. Il a quand même foutu ses clés de voiture dans les pistes de conviction quand même. C'est clair. Ouais, on a tout fait. On passe à une nouvelle zone. T'as ton permis? J'espère. Ouais, écoute, on va voir. Hein. Est-ce qu'une bonne fée a besoin d'un permis? Ah. A robber, please help. Oh la vache. Oh, oh non, regardez mon truc. Ça, la tristesse. De... Oh, les animations, c'est vrai que ça fait un peu tristouné. Hein. Oui, c'est clair. Hein. C'est vrai que c'est le point faible du truc, c'est dommage. Hein. Chaussures. Alors. D'accord, très bien. Elle vient de se faire cambrioler. Non, bah vas-y, prends un calme. C'est vrai. Faut arrêter d'être hystérique là. Hein. C'est clair. Je vais te voler. Ok, très bien. Donc, il y a quoi? Il y a une fontaine. Avec Avec comme d'hab, plein de trucs qui traînent, quoi. C'est ça. Prince Adam cherche une femme et promet luxe et richesse. Nice. Ça, c'est... C'est vraiment très envie. Hein. Original. Un objet assez long, faut faire oui, des leviers. Ah, ça. Avec la lèvre. Ouais. Non. Ou l'os. L'os. Oh, yes. Oh, putain. Oh, mon dieu, quelle horreur. D'accord. Okay.
du matériel électrique dans une... Dans une fontaine. C'est un concept. Et... Poudre à empreinte, bah oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça fout là, quoi, genre. Ah, plusieurs carreaux, ok. Allez, on réparera tout. Et un vélo. Quoi? Un code. Ah, c'est le... Ah oui, c'est le cadenas. Ok. On va voler un vélo. Et là, on peut faire du sédatif avec ça, mais il nous faut... De la poudre de et... l'herbe. Ah, c'est là. Ah oui. Huile de lavande et menthe séchée, d'accord. Mais c'est pour la nana, là? Oui, je pense, ouais. Elle vient de se faire braquer. Calmez-vous, prenez ça. Vas-y, prends le truc. On se soigne, quoi. À cause de nous. Est-ce qu'on peut rentrer, là? Là. J'en mets des codes partout. Ah, les trucs des empreintes. Nice. Ciao. Oh, il fait le code. Ah, ça aurait pu être 571. Ouais, aussi. On sait pas, tu vois, genre. 1-1-7-7-5-7-1. C'est ça. On sait pas, ça aurait pu être un code super long. C'est clair. Non, c'est 1-2-3-4, quoi. On est dans le campus. Ah, ah oui, d'accord. Ou les métamorphes, hein, sont... Putain. La subtilité, on passera, je pense. Avec ces objets-là. Faut pas que je passe sous la caméra. Merde. Ah, y'a pas très efficace à me pointer ouais. Comme ça. Ouais. Pourquoi y'a des bougies qui volent? Parce qu'ils se sont dit à Poudlard, c'est quand même cool. Hein. Ouais, voilà ça. Bon, ils n'ont pas de budget, ils ont fait 4 bougies, ils se sont dit, c'est déjà pas mal. Oh là là. Oh. Ne pas nourrir l'animal, très bien. Ça veut dire donner un truc à bouffer. Mmh, c'est ça. Lance-pierre. Et un moulin. Sans roue. Ah, des. Ah. Ouais. Ok, c'est ce que... Cassé, ah j'ai de la colle, non? Ouais, la colle, ouais. Ouais. Tout est vraiment cassé partout, quoi, faut vraiment... Le monde magique est vraiment triste. Hein. Ah, ok. Alors, ah. Disposer les emblèmes par ordre chronologique, sélectionner un emblème pour placer dans un premier emplacement de la ligne, placer un emblème, tous les emblèmes avancent. Ah, faut commencer par le dernier, quoi. Elle est difficile, elle est difficile. D'accord, il y a les couleurs aussi de toute façon. Donc en fait, c'est celui-là. Ah. Ouais, faut faire du dernier au premier en fait. Ok. Donc celui-là il va aller là. Là il faut celui-là. Ouais. Mmh, celui-là. Je vais prendre, okay. Je ne voyais pas la difficulté parce que j'étais moi genre, bah, on te donne les couleurs en fait, donc. Ouais, non, ça va après comme ça. Je comprenais pas. J'ai bugué, je comprenais pas. Après, c'est celui-là. Ouais, c'est violet. Après, c'est. Le genre de jaune. Jaune. Vert, bleu. T'as les couleurs enfin, je... Il va... J'ai oublié celui-là, non, non? D'abord, jaune, le genre de orange. Jaune. Puis après, le vert. Ouais. Et le bleu. D'accord. Ah non. Veuillez. En fait. Ah non, mais. C'est... Ouais, non, parce que le 973, je l'ai pas mis en fait. Mais dans ce cas-là, pourquoi il met des couleurs au fond? Parce que ouais. Moi, je suis basé sur les couleurs. En fait, ouais. Ça. Ensuite, c'est celui-là. Non. Ah, t'as mis 73. Ah oui, pardon, excuse-moi. Ouais. Oh, pardon, non, m'écoute pas. M'écoute pas. T'as vu qu'il y avait 8. D'accord. J'allais dire, mais 79. Mais c'était 1819. Je me serais fait avoir, putain, je suis... Donc celui-là, celui-là... Je l'ai dit, j'étais moins fatigué, non. Voilà, je suis fatigué de ma semaine, hein. Mais il va se faire foutre, en fait. On va faire les couleurs. Bah, je sais pas, hein. Parce que le premier, là, c'est bleu clair, donc c'est celui-là, en fait. Ouais. Ah oui, donc... Attends, quoi? Attends. Donc en fait, c'est celui-là en premier, après c'est, le jeu... c'est celui-là, en fait. Donc c'est... tu pars du 1840 pour aller au... Ah oui, d'accord, c'est ça. C'est ça? Ouais, je crois que c'est ça, ensuite ça. Ensuite donc ça. C'est bien les couleurs. Ouais. Et les dates. Oui, mais bon, si avec les couleurs, là, c'est le violet, je crois. Ça, c'est celui-là, ouais. Ensuite, ça. Ensuite, c'est l'ordre de l'oranger. Ouais. Celui-là, celui-là. Yes.
Donc j'avais raison. Non mais du coup je comprends pas l'intérêt de mettre couleur plus. C'est genre c'est au cas où si t'arrives pas avec les dates, tu mets les couleurs. Ouais, je pense. Au cas où Pour si t'arrives être sûr. pas avec les couleurs, tu mets les dates, tu vois. C'est pour être sûr. Ouais. C'était bizarre. Ah, on a fait 5 mini-jeux sans passer. Nice. Et on a la roue. Ça va, elle était pas bien loin. D'accord. Ah, c'est la... truc de menthe. La poudre. Ouais. Et... pinceau. Superbe. Alors... 1 sur 2, c'est pas mal. Ouais, c'est facile à faire, hein, c'est la tige, hein. Oui, c'est clair. Dans ce monde-là. De la menthe avec ça, puis c'est bon. Un peu de menthe et on verra quelle est l'autre plante. Et... Mm. Faut essayer chez vous. Non, c'est pas chez vous. Ah. Parce que c'est pas bien. Je vais balancer une pierre sur la caméra. Hein? Ah. Ouais, c'était une pierre. J'ai pas de pierre. Ouais, je fais ça. Pas de projectile. Ça aurait été trop facile. Ok, il y a encore un truc là. Ah oui, j'ai pas regardé au fond. Là. Les distributeurs. Chewing gum, café et puis cassé. Ah, superbe. Carte est bon. C'est même pas café, c'est genre eau chaude, eau froide. Ah oui. Ah oui, c'est, c'est vraiment en fait. Une vital quoi. Ah, une clé spéciale. Ah bah. La clé Lily Allen. Ah ouais. Et bien, ça s'appelle vraiment une clé Allen. Ouais, en fait. Je sais que le nom est bizarre. Je savais pas que ça s'écrivait vraiment comme ça. Mais. Ah, alors qu'est-ce que c'est? Huile de lavande, ok. Un peu de lavande et un peu de menthe, c'est censé faire un sédatif. C'est clair. Je suis pas totalement sûr, mais. Après, je pense que c'est pour être sûr que leur public ne reproduise pas le truc en mode genre un truc mortel. Mm. On mettait un peu de cyanure avec ça. C'est ça. C'est bon. Tiens, j'ai ça pour toi. Allez, calme-toi. Calme-toi. T'as pris ton sac, c'est pas grave. Oula vache. Thanks, fairy godmother. I'm Charlotte. I'm so glad to see you free. I read today's newspaper, but I didn't believe what it said about you, of course. Je devais sur entendre le mot derrière dans le coup. C'est pas grave. Everyone in the dorm is talking about that anonymous call. Why don't you go to the manager's office and check the call records? Ah, une bonne idée. Maybe it'll help you find out who framed you. I'd better go home. I'm pretty shaken. Here, use it to get around the dorm. D'accord, merci. T'as une fille un bon pour un chewing-gum. C'est clair, ouais. Ah, ça va t'aider. Ok. Genre, c'est comme nous, on se fout de sa gueule en lui filant des sédatifs, elle se fout de notre gueule en nous filant un chewing-gum. Très bien. Alors, il faut qu'on trouve les archives. Ah, mais quoi que, ce qu'on va balancer sur la caméra, c'est peut-être du chewing-gum. Ah, oui, peut-être. Une boule de chewing-gum. Ouais. Trouver. Je me dis quoi, c'est un chewing-gum, hormis ça, j'avais pas d'idée. C'est clair. Alors. Une chance qu'il y ait un distributeur de chewing-gum, quoi. C'est clair. 8. Ah voilà. Ah ça ressemble quand même bien. C'est clair. Ouais ça donne envie hein. Mmh. Faut pas la manger à la place. Eh, c'est de la magie non, il peut pas apparaître dans notre main là. Allez hop. Ah d'accord, on a carrément pété. Motilité. C'est clair. Bureau du directeur. Il peut pas plus me faire prendre. Bah si, s'il y a vraiment quelqu'un derrière les caméras, il va voir qu'il y a une caméra pétée, tu vois. Oui. Ah tiens, c'est bizarre. Il va dire, ah c'est bizarre, elle est cassée. Pas vraiment pas. Bref. Oh. Chut, c'est quand même la magie. Breaking and entering and destroying evidence? Nobody will believe you're innocent now. Oh merde. Someone's in the office. Come on, don't let them get away. D'accord. Oh là là. Quand même la pire sécurité du monde, hein. C'est clair. Et quelqu'un qui a réussi à entrer, et là qui verrouille le truc et qui se part en vélo, voilà. Hi. Tu la vois à 200 mètres, quoi. C'est clair. Et c'est nous qu'on va arrêter, quoi. Alors, il faut trouver ça, je crois. C'est quoi, c'est des rideaux? Ah, je sais pas. On dirait, mais c'est bizarre. Pourquoi t'as besoin de rideaux? Je peux pas me cacher là, merde. L'armoire. Fermé à clé, merde. Pardon. Le fauteuil. Il est cassé. Le paravent. Oh, il casse tout. Ah, le paravent, yes. Ah, il y a des gros trous dans le paravent. C'est bizarre. Mais bon, si tout le reste est déjà occupé. All clear. The alarm must have shorted out again.
Maybe we should finally call an electrician. Voilà. Quel suspense. Encore des agents de qualité. C'est clair, ouais. Oh, c'est un court circuit. Bon, c'est vrai. La chaise est pétée, ça montre clairement qu'il y a quelqu'un qui est rentré. C'est clair, ouais. C'est... Mais non. La caméra aussi, bon. C'est, bon le... c'est le directeur qui a dû s'énerver, puis voilà. C'est l'imagination. Il y a des choses. Elle a déjà été cassée. Alors. Il y a plein de trucs, là. Plein de trucs. Tant de choses à voler. L'anneau de Saturne. Couleur. Ah. Une chose cassée ou à réparer là. Un objet fin. Ça. Oui. Oh, carreau de mosaïque. Hein, trois. Sympa, on peut réparer. Ouais, la fontaine. bien sûr, ouais. Plaque. Ah. Cette plaque est en métal. Ah, tu veux l'ouvrir avec un aimant. À tous les coups, ouais. Ouais. Et là. Il prend son... putain. Ça, ils aiment pas, ils ont problème de rongeurs, je pense. Ouais, c'est clair, ouais. Ah. Autant de câbles informatiques défoncés. Ah oh, non, mais c'est dingue. Relevé téléphone. Oh, le numéro de téléphone est caché. Bon, après, je peux le filer, notre mec. Ouais, c'est clair. Horrible. Je file à tous ses abonnés. Monsieur Green, Madame Sanders, John Smith, hein, des noms très inspirés. Goodwin, ça c'est l'inspecteur. Ah là, quelqu'un a rayé ton numéro, quoi, ça rend trop dommage. Ah voilà, je n'ai pas passé ce coup de fil, quelqu'un a voulu me piéger, merde. Ah là là, incroyable. Ah ouais, la prise qui est pétée, tu en as une nouvelle. Ouais, je peux la mettre. C'est bien, elle était verte, maintenant tu la mets rouge, couleur de Noël. C'est clair, c'était prévu. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Tout était ah, il est... ça c'est d'autres jeux du même développeur. Oh non, abusé. Putain. Aïe aïe aïe. Faut un mot de passe, alors faut quoi là? Faut ça. Oh, les gants, ça va? Oh. Ah oui, d'accord. Évidemment, que t'as du fil juste au-dessus du ventilo. Le ventilo qui souffle l'odeur du café, hein, du coup. C'est clair. Ah oui, d'accord, faut prendre les deux comme ça. Quoi? Ah, faut que je. Après, t'as le code qui est dans les épines, alors est-ce que le gant sert à enlever le code? Ah oui, là. À ne pas te faire piquer, je sais pas, ça peut être un gant très protecteur, mais bon. Ah oh, yes. Si, en fait. Ah oui, il faut plusieurs parties du code. Ok. Quel enfer. Carotte et... lui. Hamster. Hamster. Ah oui, tu l'as vu. Carotte, elle est... ouais, ça va, je l'avais vu. C'est une carotte? Ah, il est trop mignon. Je l'avais pas vu au début. Oh là là, mon dieu, quel... Mais, il a un nœud papillon, ou c'est moi? Non, ses petites pattes, je crois. Ah oui, c'est ses pattes. Ses pattes avant, genre, il est en mode genre, je suis un sage. Allez, hop. Ah bon, la poche. Où il y a un code. Bah, surtout, où est-ce que tu veux mettre un rongeur? Ah, tu veux bouffer ça aussi? Je croyais que c'était une litière. Ouais, moi aussi. C'est ça, je sais pas. Ok. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. J'essaie de voir sur les formes s'il y a un truc similaire, mais. Ouais. Un truc qu'il faudrait essuyer, peut-être. De quoi t'aurais besoin? Scotch? Il y en a sur le clavier. Ouais. Ah, attends. Non, non. Il y a un truc là. C'est ça? Ah, il y a un bouton là-dedans. Ah, putain. Ah oui, d'accord. Non mais... Oh la vache, c'est dur, ouais. On dirait qu'il a chié. Ouais. Oh, ouais. C'est dégueulasse. Bon appétit. Hein. J'ai un... Ah, c'est le bouton. Hein. Clic. D'accord, très bien. Et, code 40 parties, quoi. C'est clair. Ouais, tiens, le scotch. On scotch, bien. Ouais. Lunettes. Ah oui, faut... Pour voir là. Ouais. Tu crois, genre t'arrives pas à zoomer avec tes yeux? Oh la vache. C'est bon là? C'est bon. Alors. Je peux c'est pas du petit code, hein, ça va. C'est clair. Ah, mais je me demande ce qu'il faut faire. Ah, c'est
c'est sûr. Il n'y a pas de choix de difficulté là. Non, bizarre. Hein. Bizarre. 173. Ah, mais t'as vu le. Non, mais le 3 il est décalé. Le 3, ouais. Non, mais... oh. Tac. Les pires. Ah. Ah, d'accord, ok. Ok, on a déverrouillé l'ordinateur pour voir la note Saturne, quoi. Oh, une minute on a fait. C'est vrai? C'était un peu plus long, c'était plus long. Hein. Alors là, on a le pinceau. Il faut de la peinture. Hein. Anneau Saturne. Chaîne. Ah, l'aimant. Le fameux. Et. Une fleur aux effets de particules. Fleur, ouais. Une fleur qui hypnotise. On peut ouvrir ça. Ah, la gamelle du chien. Superbe. C'est quoi, c'est le chien du commissariat ou... Ah non, le chat. Ah. Attends, il y a les mêmes papates que sur la balle de jeu du chien. Ouais, c'est clair. Carreau de mosaïque et ça. Surveillance. Code de vélo. Putain, il a... Oh, il a... il a utilisé sa caméra pour voir le code. C'est pas très légal. C'est pas très gentil. Ah, c'est trop petit. Ah, je vais te faire une loupe. Ouais. Tant pis, bref. Voilà, bon bah on va peut-être s'arrêter là. Bon, c'est pas mal hein, là. C'est pas mal, hein. On a bien avancé. De rien. Ouais. On a échappé aux gardes. On a vu des cinématiques incroyables. En même temps, les policiers ont pas l'air très compétents, les gardes. C'est clair, de... ouais. Tu m'étonnes qu'il y ait des voleurs partout, surtout dans un monde de magie. Bon. C'est un peu, ouais. Faut encore qu'on la suive, putain, elle est chiante, elle se fait repartir. Ouais, grave. Mais elle nous connaît forcément, parce que... Ouais, c'est clair. Oh, on est quelqu'un de connu, techniquement, en ce moment. C'est clair. Donc voilà, bah, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser des likes, des commentaires à partager, et la semaine prochaine, on essaiera encore de courir après Cendrillon. Évidemment. Et du coup, attends, ça sort quand, déjà? Lundi. J'allais dire, est-ce qu'on souhaite joyeux Noël ou pas? Du coup, non, si on est trop loin... Ouais, non, c'est... Pas encore, ouais. Mais ça sera la semaine prochaine. Ouais. Ça sera déjà passé. Donc voilà, bon bah la semaine prochaine pour la suite avec Coinzel bien sûr. Évidemment. À la semaine prochaine, ciao ciao. Salut.